Cergy Vie. Cergy Vie. L'actu se partage. Justement, une championne du monde à Cergy, ça va faire développer beaucoup plus le club, oui, je suppose. Oui, bien sûr, ça va développer surtout la boxe féminine. Gaëlle, justement, donne des cours le dimanche de Move Lady. Et nous avons 25 à 26 filles qui viennent s'entraîner tous les dimanches avec Gaëlle. Et au club, nous avons à peu près une quinzaine de filles. Voilà. Et les filles, c'est des guerrières, je peux vous le dire. Ils aiment ça. Et puis, ça plaît beaucoup. On a fait pas mal d'animations sur la ville de Cergy pendant le mois de la boxe. Donc, ils sont venus en force cette semaine au Rail ou Cergy Box. Voilà, ce que je voulais dire aussi, c'est que notre directeur technique, Abdelia Raïlou, a bien pris en main sa préparation. Mariko Ibrahima aussi, qui lui est en dessous, Monsieur Raïlou, qui préside en dessous Monsieur Raïlou Abdila, après le directeur technique, a bien préparé ses boxeurs pros, ainsi que Gaël. Enfin, on a une bonne école de boxe, on a des bons entraîneurs. Pour moi, je leur tire mon chapeau, franchement, c'est que du bonheur dans le club. Voilà. Vous vous attendiez à un tel accueil ce soir ? Bah écoutez, moi je savais qu'on allait faire le plein à Cergy parce qu'on a une grande demande sur la boxe au niveau des jeunes. Et puis on a un super public, quoi, c'est formidable, hein, à tous les niveaux. Hein, voilà. Un petit mot sur le jeu de l'adversaire ce soir ? Excusez-moi. Le combat de l'adversaire. Le combat de l'adversaire, bah écoutez, elle avait plusieurs combats déjà, et donc elle avait fait déjà un championnat du monde. Elle rendait quand même 11 cm au niveau de sa taille par rapport à Gaëlle. Elle faisait 1m73, Gaëlle 1m64, voilà. Donc Gaëlle a suggéré ce combat, épaulé avec Abdila. Et puis... Elle grandit de jour en jour, elle a un gros potentiel encore. Elle va remettre peut-être sa ceinture de champion du monde, après c'est elle qui va décider. Mais je souhaite que du bonheur et puis de remettre sa ceinture. On aimerait bien surtout à Cergy, quoi. Bon, maintenant après c'est elle qui va décider. Cergy Vie, l'actu se partage.